Ça va. Ça va, là là, calmez-vous, putain. Ah, c'est bon. Fais-moi rêver. Je crois que c'est des composants super rares, ça. 154. Oh là là, la ferraille et l'argent, quoi. La ferraille. Bah ouais, c'est des trucs robots et tout. Normal, en fait. C'est terrible. Oh là là, comment je suis content. Il est où le coffre? Ça va. Je vais voir les armes si elles ont été. Elles sont toutes au max. Ouais. Un truc bien avec. Ouais, le coup de l'explosif là. Ça a pas monté de niveau. Ah oui, oui, oui. Coup de l'explosif. C'est que le lance-roquette là. C'est que. Oui, bon bah les trucs. Avec la charge là. Ouais, de roquettes atomiques là, bah ça fait du feu et tout quoi, c'est cool. J'ai envie de dire, c'est vraiment cool. Alors lui, on pourrait le mettre résistance au feu, à l'explosion. Parce que lui, il est souvent dans la dans le bordel. Donc lui, ça aurait de la logique. Ça a de la logique. Elle, pour le moment, on va attendre. Là on a récupéré, là on est à 1400, c'est bien. Notre véhicule aussi, hein. Vraiment le laser il aide. Hein. Donc je crois qu'on aurait pu désactiver le véhicule. Avec l'habilité cyber robot là. On peut voir. Cible les robots ennemis ou un synthétique et perturbe aussi. Ah non, c'est robot et synthétique. Mais bon, c'est bien quoi. Attends, là on va où là? Là c'est le bizarre, mais il n'y a rien dans le bizarre. Ah si, si, on voulait aller au bunker. On pourrait aller soigner au bizarre, mais je pense que ça va, on a assez de choses pour se débrouiller. Yeah, on risque rien. Avec les radiations. Ah voilà, c'est juste un petit nuage, hein, on peut passer, hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Écrou. Just some odds and ends I've taken in trade. Might be useful. Non, ça m'intéresse pas. Enfin, de toute façon, on n'a pas machin avec nous. Lucia. Là, c'est bien de se déplacer aussi vite. D'accord. Ok, j'ai un petit problème. Attendez. Voilà. Ok, nouvelle mission. Donc là, c'est pour récupérer des bobines. Je crois bien. On va sûrement avoir plein de choses à faire là-dedans. On va devoir revenir avec d'autres personnes. Bunker de l'armée des monstres. C'était quoi? Pirater? Truc Intello 4. Ouais, non, y a rien à faire. Ah putain! Let's go. Truc d'Intello 4. Allez, Zeus, c'est toi l'Intello.
Doucement, c'est quoi ça? Des robots partout, on a un grippin. Ça va, c'est des petits robots. Je dirais pas non, non, on va prendre celui-là au milieu. On a récupéré 2 PA. J'ai pas fait attention. On lui a mis un 2 PA. Ouais. Ouais, il a 5 PA encore, donc je pense que si. Vous le sentez là que c'est pas vraiment de notre niveau ou pas? Je sais pas, vous me le dites. Hein. On peut faire étourdissement? Ouais, on peut le faire. Merde, qu'est-ce que je viens de casser? Ah, c'est un bidon. Eh ouais, zéro. Permet de tirer 3 fois. C'est vrai que me mettre à côté du truc qu'ils vont viser, c'est un peu débile. Hein. La frappe elle est vachement utile, faut vraiment l'augmenter. Ça donne beaucoup je crois, non? Ouais, pas mal. Je crois que le pire c'est son fusil à pompe là, il donne énormément de frappe. Plein de trucs partout. Alors, faut le noter. Donc, grippin. Grille. Grippin. Bunker de l'armée des monstres. Hop là. Nickel. Projetage, cool. Ouh, c'est quoi? Électro-casque. Alors, science étrange. Émet une décharge électrique autour de l'utilisateur. Intéressant. Note de l'armée des monstres. Et après, banal. On se voit. J'attendrai évacuer dans la semaine, prévenu au compagnon écraseur.
tombera comme ça. Si vous avez assez de tripes, n'hésitez pas à venir vous trouver dans notre nouveau chez nous au bizarre. Ok. Alors, science étrange. Donc, du coup, c'est elle. Elle pourrait avoir ouais, une décharge autour d'elle, électrocution. Ah, mais attends, lui aussi, là, il peut avoir ça. Armure 4, non, 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 armure 8. Il lui met une décharge électrique autour de l'utilisateur. Applique électrocution. Ça peut être intéressant, ça. Pour lui. On va voir. On va peut-être augmenter un peu l'armure, par contre. Voilà. Du coup, il perd pas grand-chose. 5. Perd 3. Ça va. Ça va. Mais il a peut-être... Enfin, une AOE, ça peut être pas mal. Interrupteur. Ok. C'est pour éteindre les lasers, en fait. Je crois qu'il faut tous les éteindre. Du coup, ouais, il aurait une AOE qui électrocute. Ça peut être pas mal. Putain, j'ai vu, il y avait du... Genre, un truc d'armure, là. Ok, alors attends. On va voir ailleurs. Attends, du coup, on pourrait peut-être mettre ce casque-là, là, qui est vachement bien sur quelqu'un d'autre. Nous, on a quoi? 6, 7, 8... perdrait le feu et l'explosion. J'ai envie de dire que le feu et l'explosion, c'est quand même beaucoup plus commun que le froid. Il y a tellement de ferrailles, c'est... Ah ! Fais voir. C'est pas mal. Ah oui. Ah oui, ils explosent ceux-là. J'ai oublié. Alors, attends, toi t'es bon, toi t'es bon, toi t'es bon, toi t'es bon. Putain, là c'est un moment d'inattention de par rapport au type d'ennemi. Bon, lui, le truc électrique, c'est pas mal.
Ah, surtout si ça met de l'électrocution en fait. J'approuve. Une armure de trooper toute neuve. Une armure de trooper. Alors, commando c'est mieux. Hein. Commando c'est la celle d'après. Ouais. Donc, trooper. Avoir l'armure entière en serait classe. Mais bon, on va prendre commando quand même, si on a une partie commando tactique. Ah, il peut même mettre tank maintenant, lui. Donc, nickel. Du coup, toi... Il ouais, n'y a rien d'autre à mettre. Il n'y a que le corps, hein, si on trouve un truc mieux. Elle, elle est équipée en super. Lui, il est équipé en super truc aussi. Il n'y a que elle. Mais pas la force. Le casque, on peut pas le changer. Bon, il y a que... Ouais, il y a lui. Précision, vitesse de combat. On pourrait lui mettre armure à 25% de soins en plus, c'est vrai. Après, je préfère peut-être attendre sur une... Sur une armure commando complète. Après, je me dis que peut-être qu'on devrait quand même garder le casque, hein. Peut-être mieux en fait, je sais pas. Ah, mais la précision, c'est bien. Enfin, je sais ce que c'est bien pour lui, quoi. Enfin, je pense que le trooper, ça serait nettement mieux pour notre Marshall, Quan. Pour Quan avec son fusil d'assaut. Je crois que ça serait nettement mieux. En parlant de fusil d'assaut, on n'a pas un fusil d'assaut pour lui. Parce que le M19 là de Kwon, c'est pas un truc rare. Enfin, maintenant je dis ça, je crois pas qu'on en ait looté d'autres. Puis on n'a pas acheté d'autres non plus. Non, on n'a pas d'autre fusil d'assaut en fait. C'est ça qui est un peu con. On est toujours un peu bloqué au pistolet mitrailleur avec lui. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait le café. Hein, mais le 5.56 là, c'est pas mal, hein. Le 5.56 il fait du bon taf. Hein. C'est pour ça que ce serait bien de pouvoir avoir les deux en fait. Quelqu'un a monté le niveau ou pas? Ah, si. Si, il y a du montage de niveau. Alors, on fait voir. Alors, je suis toujours intéressé par ça. Par le matériel déployé gagne 25% de constitution et 25% de dégâts. Parce que quand on va commencer peut-être à utiliser genre des tourelles et tout, ça peut être intéressant. Parce qu'on a toujours des tourelles avec lui, mais on les utilise jamais. On en a combien des tourelles? On a 10. Donc ça vaudrait le coup d'en balancer. Après, je crois qu'on a plein d'autres trucs qu'on peut balancer. Même crafter. Ouais, on a les tourelles laser aussi, c'est autre chose encore.
ça aussi, auto-assembleur, découpeur en dés. Ça, robot, véhicule, arme lourde. Ça, on va attendre encore. Et après, pour lui, on a la force coordination max. Je dirais que on lui augmente la vitesse pour se déplacer plus loin. Ouais. Elle aussi, elle a pris un niveau. Donc, je dirais plus de vitesse aussi. Je peux voir la compétence 6-7. Il nous faut 7, je crois. On a 2 points, ça y est. Ah, je suis tout... Enfin, regarde, alors genre, il y a ça, la cocotte minute, ça peut être pas mal. C'est très situationnel, par contre. Ça peut être pas mal. On a... Je pense qu'on va prendre ça. On va augmenter l'explosion. Enfin, quoi qu'il y a le lance-flamme aussi. Donc le mieux, ça serait d'augmenter l'arme lourde. Au niveau 7, faudrait qu'on arrive. Comme ça, elle utilise le nouveau lance-flamme qui fait super mal. Il y a ça aussi, ça m'intéresse. Charger votre arme pour lui permettre d'infliger des dégâts bonus d'énergie, froid ou chaleur lors du prochain attaque. Votre arme a 5% de chance d'exploser la figure. Ça peut être intéressant. Il y a ça qui est important. Je pense que l'explosif 7, c'est peut-être le plus important pour le moment. Et après, on fera arme lourde. Et j'ai même envie de dire, on va peut-être faire intelligence du coup pour un peu augmenter les points de compétence qu'on gagne. Genre on en avait qu'un seul, là on en a deux maintenant. Pour aller un peu plus vite. Et avantage, donc on va prendre ça. Et on a encore un point. Donc du coup, est-ce qu'on fait? On attend la cocotte minute. Ou alors on prend ça. Enfin, je veux tester. Attends, il y en a d'autres qui ont monté le niveau ou pas? Non. Bah du coup, on va tester là. Parce que j'ai vu qu'il y avait une bestiole. Alors, sauvegarde. On va prendre cocotte minute, je vais voir un peu ce que ça fait. Je vais prendre ça, pardon. Si ça vaut le coup ou pas. Non mais elle va se faire défoncer, je suis con moi. Ah non, c'est vrai. Vas-y. Genre là. Fais voir un peu sur un truc qui est vivant. Ok, ça fait quoi? 30 et quelques. Alors, fais voir ça. Surcharge. C'est stylé. Et on peut le faire à chaque fois et c'est un seul PA. Ouais. Je sais pas. Après, si elle fait que du lance-flamme, oui, c'est pas mal de faire plus de dégâts au lance-flamme, on est d'accord. Parce que là, déjà, on lui avait mis l'habilité là pour baisser la précision quand elle brûle les gens. Je me dis que ça peut être bien aussi, quoi.
Et après, on prendra cocotte minute. Parce que ça peut être utile. Et après, il y a quoi? Quand vous utilisez une mitrailleuse lourde sous couverture légère, vous gagnez 20% d'esquive des bombes précises. C'est quoi? Agrandi de 35% l'arc de tir des mitrailleuses lourdes ou des lance-flammes. Ouais, ça se peut pas. Top, top. Voilà. Toi en compétence pour le moment, je n'en sais rien. Toi, t'as deux avantages, mais il n'y a rien d'intéressant, c'est un peu un problème. Y a la survie qui peut être intéressante pour elle. Ah mais c'est 6 hein. Pour le chasseur de gros gibier. Parce que là on commence à avoir des avantages mais je mets... Oui j'en ai deux de côté mais je fais rien avec en fait. Après plus de vie, plus d'armure honnêtement ça sert à rien non plus. Non mais je crois qu'on va faire ça là. On va lui augmenter au max le sniper. Puis on va lui débloquer les trucs. C'est bon. Parce que elle aura toujours moins, elle sera toujours moins puissante que Fury. Ah mais attends, il est tout seul le machin là, si je fais ça. Oh, truc d'intello niveau 8, d'accord. Okay. Comment on détruit l'armure? Shaolin, c'est 2. Oh, méga coup, truc inouï. 300 et quelques. Sans déconner, quoi. Je vais charger le machin, ça va me péter à la gueule. Non, ça va. Alors, fais voir. Ah, bonus de dégâts énergie. Ah, c'est du 30% quand même. Ah, c'est du 30% de dégâts. Hein. Quel foutage de gueule, le truc il avait un point de vie. Aïe 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 aïe. Mais il faut tout absolument aller augmenter, aller le changer en robot lui. Hein. Ah ouais, non, non. Là, je suis convaincu là, Zeus. Zeus, on le met en robot et on lui met ça, l'implant. Comme ça ferait truc d'intello plus 1 et surtout perturbation. Je suis content. Je suis content qu'on les ait combattus les autres. Hein. Putain.
nickel. Yeah. On va voir ça, désamorcer. Nickel. Projetage. Qu'est-ce que c'est que ça? Lunettes expérimentales. Œil de lynx. Waouh, c'est ouf. Tu? On a une grenade UM. Look, I know what you're thinking. It's a fucking Time Store mask, a kid's toy. Am I right? Here's the thing. It ain't about the fake fur or the rubber teeth. It's what's behind the mask that scares the shit out of people. You put that mask on, and you're invisible. You can do anything, and I mean anything. When they look at you, they may not see the monster at first, but they will. It's just a matter of time. Now put that fucking thing on and go scare the shit out of some people. Je crois qu'on pourra pas les... Ouais, non, eux on va pas pouvoir les trucs. On doit être trop bas, ça doit être du 8 aussi encore. J'ai l'impression que c'est que des mêlées aussi. Donc ça va être marrant. Ça. Ah putain, à chaque fois je fais la... Électrochien. Let's put the odds in our... Wow, 2962. Ça a pris cher. Ouais, c'est du 8. Processeur. Ça n'a pas marché. Ah, mais j'aurais dû la cibler. Ah, comme d'habitude, je fais toujours de la merde. Attends, on a ça à faire. Très bien, électrocution. On a ça aussi. Voilà. Nickel, 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 bro, nickel. Ah, j'aurais dû... Non, j'ai pas fait Shaolin, ça va. C'est quand on fait Shaolin qu'il faut mettre des couragements. Ah, c'est pour ça qu'il doit faire super mal, parce que tu peux endommager les armures en fait. Ouh. Nickel. Mon dieu, comment tu fais mal? Eh ben...
Bam bam. Bien joué. GG Fireteam. 50 toiles. Pénétration plus 1. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est quoi ça? Grand récipient. Alors, blindage de véhicule en alliage. Armure 60. Recette de feuilles arrosoir. On a Uzi. On va voir. Alors, on peut voir. De lynx, truc de fou. Alors. Un arrosoir. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Oh, attends. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Requiert science étrange 10. Pour le créer, il faut science étrange. D'accord. Et c'est une arme lourde. Cette mitrailleuse déglinguée semble être le résultat d'un passage alcoolisé par une cabane à outils. Elle tire des bouteilles et des canettes de bière sur les cibles. Au mieux, ils auront la gueule de bois. Au pire, ils perdront définitivement connaissance. D'accord. Bouteille vide. Rafale de balles. Pas de gaspillage. Une attaque dangereuse qui tire double de balles. La moins 300. Et ça fait mal du coup? C'est une mitrailleuse lourde qui tire des bouteilles vides. Il me faudrait une mini mitrailleuse. Et de la bière. Intéressant. Honnêtement, ça a l'air sympa. Parce que du coup, ça serait... Ouais, ça serait spécial. Mais là, ça a plus l'air d'être une sorte de canon, quoi, que de mitrailleuse. Donc peut-être... Enfin, en théorie, ça peut être mieux, quoi. Oh, la bobine. Yes. Nickel. Peut-être que ça peut être mieux. Ça peut être plus intéressant. C'est la mitrailleuse sur Zeus, c'est pas la... C'est pas top top. Bon ben on est bon, on peut se casser. On peut se casser. Faut qu'on... Le Kodiak là, faut qu'on lui mette l'armure. Je sais pas si on peut en mettre plusieurs d'affilée. Enfin plusieurs en même temps. Non, on a une armure... Putain, on a acheté une armure pour rien quoi. J'avais dit hein. Je l'avais dit hein, qu'il faut pas tout acheter et tout, mais bon. Après, bon, celle-là, elle a 0,20 en vitesse en moins, donc du coup, il va moins loin. Bon, après, on a un Raigun, nous. Donc le Raigun tire loin. J'ai envie de dire. Bâtiment abandonné. Passer la nuit pour récupérer, utiliser la rue pour cacher le Kodiak, puis faire quelques réparations. Fouiller l'endroit. Non, nous on veut fouiller juste. Crocheta, vous trouvez une réserve protégée par un cadenas. Yes. Cool. Ouais, nous on n'a pas besoin de se remettre. On est juste à côté en plus. Cool. On a eu des soins et tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Guns, sanctified gun. Et après, il y a les pièces aussi. Straight out of my daydreams and back into my life. Tiens, cadeau. Let's see what we've got here. Damn, this looks pretty bad. Plus 5. Et notre argent, c'était la seule bande dans le bunker. Easy good looking.
Let me take a peek at it first. Examinons et ferme maintenant la bouche. Pas de verdict. Well, I won't lie. C'est pas exactement ce que j'ai repéré, mais on peut rattraper ça. So here's what I'm thinking. The film is falling apart, and I can't get a full show out of any of them. Let's examine the reels together, and we'll come up with a story worthy of chicks flicks. Here, look at these. Do you see a good main character? Il y a un homme qui fuit un rocher, un chapeau et un fouet. Il y a deux flics, l'un plus âgé avec une housselle, l'autre plus gros coupe mulet. Il y a un homme pieds nus en Marcel qui se faufile à travers un immeuble de bureau. Qui fuit un rocher, il a un chapeau et un fouet. Perfect start. Ouais. Then a sultry priestess pulls him aside and ties him up with the whip. Yes. Ouais. That's a great setup. But we need to decide where it takes place. Putain, une voiture qui roule sur une route. La foudre s'abat et la voiture accélère à une vitesse insensée. Il y a un bateau en bois, le bateau pirate, caché dans une grotte renfermée en trésor. Ah ouais, ça c'est bien. On a une sorte d'école militaire de pilotes. Non. Bateau. Oh, I see. Pirates. Ah, les pirates. Ah ouais, okay. trop bien. Mon dieu, de cinglé. Allez. Ouais, plat de résistance, vas-y. À la poursuite des bijoux de famille. C'est pas mal, ça. Fuck Loose. Ouais, bof. La chèvre du samedi soir. À la poursuite des bijoux de famille. Poetic. Beautiful. Oh, I see you have some beauties of your own with you. What do you think? Could one of your gorgeous friends star in our premiere? Wouldn't be long, I promise. Pendant combien de temps aurez-vous besoin de notre camarade? Quel est vous, je dis? Cordite? Qu'en dites-vous, je dis? No, thank you. Oh. Cordite? No. Pendant combien de temps aurez-vous besoin de notre camarade? Oh, just for a hot minute, darling. They'll be right back with you. Girl Scouts honor. A job well done, you. Je me demande si on peut donner quelqu'un. Parce que là, les autres, j'ai pas pu. Enfin, Jody, Cordit, non. Darling, we don't need those. Ok. Je sais pas. Je sais pas s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Now, don't you think your Amy would forget your dues? You've been such a big help, Sugar Pies. So here's your reward. Come talk to me later to see how we got on, okay? Yeah. Ah, how delightful to see you again. Come back real soon. Wow, okay. Hey, if you're into weird shit, check out Pichicelli's Shop Next's museum. Ah, peut-être qu'on l'a fait, ça, je me rappelle plus. On a des jetons ou pas? Non, on n'a pas de jetons. J'ai un dit. Fais voir si c'est encore moins cher. Hello. Welcome to Talbot's Tannery. That's why I'm here. Ah merde, mais je peux pas comparer. Attends, c'est en dessous des 200. 100, Lucia. Ouais, non, mais c'est méga pas cher en fait. You're up, Bucky. You should get something hot to I'll tell you when to quit. Ça marche. Bon, bah, pas mal. J'ai envie de dire pas mal. Tu qui as monté, c'est toi. Si une attaque d'embuscade menée avec un fusil de précision parvient à tuer votre cible, elle n'achève pas l'embuscade.
Ça c'est pas mal parce que du coup on pourrait les enchaîner les mecs. Donc c'est vrai que ça aiderait. Donc on pourrait augmenter ça jusqu'au max. Mais après j'aime beaucoup les dégâts en plus de la survie. Puis il y a ça. Puis il y a ça. Charmeur d'animal après. Enfin, charmeur d'animal dans un sens, oui, enfin, c'est bien aussi ça. Si votre animal famille tombe à 25% de constitution, bon déjà ça c'est pas vraiment un truc qui arrive souvent. Vous gagnez 50% pour éviter coup critique et 2 PA. Enfin, en gros ouais, tu massacres tout quoi, j'ai envie de dire. Ça m'embête. Est-ce qu'on a un autre fusil? De toute façon, on n'a pas fusil sniper mieux que ça pour le moment. Donc. Ouais, on va augmenter la survie. Ça peut aider en exploration, ça peut aider en combat. Puis après, je veux bien débloquer ça, moi, l'instinct d'exploration. Qu'est-ce qu'on a en livre? HQ, armure, automatique, explosif, gros dur, mécanique, animal. On peut aller à animal 10 aussi. Mais animal 10, ça va pas vraiment nous aider plus que ça. Ouais, on va garder le point. Après, si j'avais genre 2 points d'avantage, je dirais pourquoi pas. Mais je sais pas quand on récupère les points d'avantage en fait. Donc on va le garder celui-là. Là, c'est bon. Let's go, let's go. On va rentrer à la maison. Faire une pause. Ça va faire 2 heures que je suis dessus, j'ai l'impression d'être dessus depuis 30 minutes quoi. Oh la vache. Je passe des super moments sur le jeu, c'est un truc de fou. Là je kiffe. Donc sinon on a grippin au bunker, grippin à la mine de pigments. On a des grippins à faire, des grippins. On a 2 grippins. Qui peut être intéressant. Et après on a du crochetage. Alors fais voir ce qu'on a récupéré. Alors. Constitution 184 d'armure. Ah, c'est 60. Très lourde mais incroyablement résistante. Faudra tester. Oh la vache. Ah, une guitare devant. Faudra voir en combat par rapport au à la vie au déplacement en fait. Mais après comme j'ai dit on utilise un Raigun qui a une très grande portée donc à la limite on n'a plus besoin de trop se déplacer mais ça va être compliqué pour écraser les gens en fait. Mais bon. Ah, soigner. Mais bon. Bon, le mec de mêlée, hein, je suis content. C'est vrai qu'il est top. There are going to be more fight. What do you need, Rangers? That's what you have a seat. On va regarder un peu ce qu'on a à faire. I don't mind not having to clean and sweep.
On pourrait faire de l'argent avec tout ce qu'on a aussi. Ah oui, on voulait donc augmenter... Bon, journal de mission. Quelqu'un, ils ont de code fléau, nous contacter, demander de l'aide. Il dit être piégé sous les ruines de la gare de l'Union à Denver. Ok. Bah, du coup, on va aller à Denver. À Denver, on a quoi à faire? Pas du tout. Peut-être qu'on peut prendre Lucia. Juste au cas si on doit acheter des choses. Sure thing. Let's have a look. Toi, je t'aime bien, mais There you go. Anything else? De toute façon, Lucia, on a plein de balles. 400 et quelques, les cartouches de fusil et tout. I'm not making any suggestions either. That would be treason, wouldn't it? For starters. All I'm saying is start planning. Colorado can't return to what it was. You of all people know that. Yeah. Vous pouvez arrêter d'avoir une conversation juste à côté de moi. Hein. Rien à foutre de votre conversation. Première attaque après prochain. Si un ennemi vous touche en mêlée, tous les attaques que vous avez filées contre lui au tour suivant fait son nombre de points de dégâts. On va lui mettre de l'armure à elle, parce qu'il faut qu'elle s'avance à chaque fois, donc c'est un peu relou. On a toujours pas le marchandise à fond. Je suis en train de me dire que... Ah merde, j'aurais pu lui mettre marchandise à fond. C'est pas grave. Ouais, c'est juste si jamais on doit acheter des trucs. Mais honnêtement, je pense pas... J'avoue que le mec en mêlée est nettement plus intéressant. Parce que maintenant, en fait, on a du très très bon équipement, en fait. Allez, go Denver. Enfin, c'est proche de Denver, mais nous on va aller à Denver aussi. Et après, le grippin, on fera ça après, plus tard. Parce que je veux faire les choses dans le... Tais-toi. Je veux faire les choses dans l'ordre, sinon je vais oublier. Donc d'abord, je voudrais aller à Denver pour faire l'augmentation comme ça s'est fait. De Zeus. Comme ça, on n'en parle plus. C'est vrai que là, on aurait pu prendre le mec au grippin, parce qu'on passe juste à côté. Voilà, encore une connerie, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Je sais pas ce que tu dis, Smirnoff. Oh. Il cache. Préparation de grippin. Mais lol. Prier le grippin. Partir. Putain, il y a des trucs de grippin. Non mais t'es sérieux quoi. Oh. Ah, c'est le jeu qui me nargue en disant tiens regarde tu vois il fallait prendre le mec le haut grippin. Vraiment dégueulasse là. Ah
Ah, je suis dégoûté. C'est vrai qu'après, pour exploration, en fait, on devrait pas prendre genre marchandises et tout ça. On devrait prendre genre lockpick, ça c'est nettement. Après, si on va dans des villes, il faudrait prendre le marshal. Et sinon, ouais, le grippin. Hein. Pourquoi t'as Killy Billy et Chef Rapper? T'as un bug toi. Je crois que toi t'as un bug toi. T'as des animaux qu'on n'a pas. Mais t'as des buffs quand même. Repairs to for ethical reasons. I cannot conduct the one moment. Constructing a device of this nature is a delicate operation. Je crois qu'elle est buggée. C'est vrai que j'ai oublié de prendre un animal. Production complete. When you are ready, insert this into your spine at the base of your neck, or that of someone who can sense its insertion. Ça m'embête ça. J'ai pas envie qu'elle soit pétée parce que voilà quoi. Peut-être que ça va s'arranger quand on va... Si on l'a brûlé la tortue. Ah, ça m'embête là, l'autre elle est des buffs comme ça là, sans animal de compagnie. C'est vrai que j'ai complètement oublié de lui en prendre un. Parce qu'elle aussi, elle peut. Hello, potential friend. I could listen to this song forever. Ouais, trop bien, vraiment. Alors... Unité de contrôle Tecmo Cyborg sert à prendre l'avantage Tecmo Cyborg. Il nous reste combien? 1300, ça va. Alors, Tecmo Cyborg, il a été mis au début. Et là, donc Zeus. Avantage. Hop, vous pouvez désormais équiper les mods de Cyborg. Donc. Hop, ça. Nickel. Donc, lésion cérébrale. Donc, truc intello plus 1. Et maintenant il a l'habilité, cible un robot ennemi ou un synthétique, perturbe leur système, ce qui les étourdit temporairement. Voilà, nickel. Nickel. Là on commence à être bien équipé. Parce que oui mais les robots c'est dangereux hein, les cyborgs. Le truc c'est que on peut pas spammer les armes anti les armes à énergie. Non, on peut pas spammer ça, parce que ça coûterait trop cher en fait au bout d'un moment. Alors la guerre de lune, il faut voir si c'était quoi. La guerre des mondes. Alors, appel à l'action déjà. Fléau nous a contacté de l'endroit et les gens et ruines de la gare de l'Union. Bah, c'est ça. Gare de l'Union, ça marche. Sal here, voice of Free Colorado. Every now and then, I like to think about what inspires musicians. For this next one, I'm pretty sure it might have been peanut butter. That makes sense, right? Il y a autre chose à côté ou pas?
Oh, embuscade. Chance infime de s'échapper. Sur l'utilitaire, votre avantage pour fuir. Science étrange. Prendre l'avantage sur les robots en brouillant leur circuit. Let's go. Vous criez en plein poumon. C'est Finder, tâche, tuer tous les humains exécutés. Ok. Je vais faire une erreur car il ne les arrête pas, mais il s'interrompt un instant et c'est largement suffisant. On a des robots à tuer, merde. Ah bah tiens, du coup, on va, bah, du coup, on va pouvoir tester toutes les améliorations qu'on a faites. Voilà. Ah, ah nickel, nickel quoi. Vas-y, quel type de robot on a? Ah, ça va. Ça va, c'est pas du... Ouais, on a déjà fait ça. Alors, fais voir, du coup... Ouais, du coup, tu vas un peu moins loin. Un tout petit peu moins loin. De me dire le truc de PA là, c'est pas sur moi en fait. Enfin, bref, je sais pas. Ah, il est overclocké. Non, j'ai rien dit. Mais je comprends rien à ça, comment ça fonctionne quoi. Les robots piratés donnent plus de PA. Ah mais on leur donne plus de PA? Genre du coup ils peuvent faire plus? Ah bah donc, bah, c'est pas mal en fait. Applique défaillance du système. Waouh, la zone elle est grande. Cool. Merde. Les pourcentages étaient un peu pourris en fait. Pas mal. Ça dure indéfiniment jusqu'à ce que je tire. Non, on va attendre. D'accord. Oula, oula. Tu vas. Tu vas loin. Je crois qu'il faut que je sois à côté de toute façon. Ouais. Nickel, putain.
Ah, ça soigne beaucoup, hein. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah non, la surcharge, elle est pas restée, d'accord. Tu te chaud ? Non. C'est pas Zeus. J'ai juste envie de l'écraser en fait. Pour aller plus vite. Je t'ai perché. Ah ben. Donc ouais. Ça va. Ça va le véhicule, pas besoin. Bon, on a on a une armure pour rien, c'est bien. Après, j'ai envie de dire, si jamais on change d'arme et qu'on a un truc genre vraiment qui est corps à corps, bah du coup on enlèvera la vitesse en moins. Mais j'avoue que ouais, pour le moment, on l'a un peu pris pour rien, quoi. On l'a un tout petit peu pris pour rien. C'est pas grave, c'était quoi? Allez, 1000 dollars, c'est bon, on est riche. Putain de merde, quoi. J'entre dans la zone et je fais une pause. Tu dois trop jouer là. Si là je pourrais jouer pendant des heures en fait, non, sur le jeu. Oh merde. Oh merde. Who the fuck are you? This is Hardhead Turf. Ok. Sommes les rangers, ils entendent parler de nous. J'ai la quasi certitude que c'est le territoire du patriarche. The desert ri- Wait a minute. Are you the guys who made hamburger out of the Giffers? Ouais. Oh, I didn't think anybody would take those assholes down. Ah, but so what? You're dealing with the hardheads now. So tell me, what the fuck are you doing in our territory? J'espère qu'il faut pas du lèche-cul. Alors, on suivi un signal radio jusqu'à l'endroit où nous devons entrer dans le bâtiment. Oh, oh, oh. You mean our base? Well, the only way you get in there is if we stick a spit up your ass and cook you for dinner. And you know what? I think that's just what we're gonna do. D'accord. Lèche-cul, gros dur. Merde! Premier soin, notre tuer ne vous servira à rien, voir ces trous dans votre visage, vous mourrez bientôt par infection. Putain, lèche-cul. Oh, go fuck yourself! Wait, you're serious. You know,
know, I have been feeling a little funny lately. Très sérieux, ces blessures de putréfaction sont en train de vous tuer. Notre aide de toute urgence, mais vous ne pouvez donc que si vous laissez rejoindre le poste. Oh, damn it! I knew I was sick. Okay, assholes. Fix me up, and you can do what you need to do. But we'll be watching you. Don't waste my time, Rangers. Ah, intéressant. Du coup, on peut voir un peu ce qu'ils ont, genre sans qu'ils nous attaquent. Bon, déjà, ils ont des roquettes un peu de tous les côtés, ok. Ils ont un véhicule aussi. Ils ont pas de marchand. Il y a un lapin. Non, ça fait très très zone de combat. Hein. Ça fait très très. Ouais, ça fait très très zone de combat. Non, mais ça s'est bien passé au final. Je pense pas qu'il y ait autre chose à faire ici, à part les tuer, vous voyez ce que je veux dire? On va faire une bonne sauvegarde et on va continuer la prochaine. Vraiment content de ce qu'on a avancé. Là, c'est vraiment le top. Ciao, ciao!